salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, j'espère qu'elle va vous plaire et moi, je vous laisse. Salut à tous, c'est Norlox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment installer son curseur de souris sans télécharger. C'est parti. Alors, là-dedans, il n'y a rien. Je vais juste le renommer. La renommer. Cure. Voilà, on va le mettre comme ça. Vous allez aller sur YouTube. Vous allez marquer comment avoir un curseur de souris. Alors, comment avoir un curseur de souris, voilà. Alors, moi je vais vous faire cliquer. Voilà, sur cette vidéo. Voilà, vous arrêtez, vous allez dans. Alors voilà, après nous allons aller dans là. En fait, voilà, vous allez voir lien du site pour le curseur, vous cliquez dessus, bah, Favorix. Vous allez dans le curseur. Alors, il va falloir vraiment que vous faites un dossier sur Windows 8. Alors moi c'est facile, je vais chercher celui que je veux. J'ai déjà allez Pokémon. Hop, vous allez prendre, vous allez faire glisser ici, continuer, ça vous gardez au cas où. Vous cliquez ouvrir. Et ok, vous prenez tout, mettez là-dedans. Ok, j'attends les téléchargements. Hop, vous quittez tout. Par contre, là, hop, ça personnalisé. Vous allez dans la barre de recherche, vous marquez curseur sur Windows 8. Enfin, vous marquez pas Windows 8, mais moi je suis sur Windows 8, alors comme ça vous saurez. Alors, voilà, déjà vous pouvez voir, j'ai déjà un curseur. Hop, on va aller dans curseur, voilà. Hop. Non, attendez, on va. Voilà. Et voilà, vous avez Pikachu. Alors, je vais vous faire un petit zoom. Pikachu, un petit. Attendez, je vais essayer de bien faire mes points. C'est dur de faire la mise au point. Comme ça, vous pourrez voir. Alors, je vais mettre. Alors, c'est très simple. Vous allez, comme je vous ai dit, vous marquez le curseur là-haut. Voilà. Vous allez là. Cliquez là. Parcourir. Hop. Non. Ah non, je suis dans celui-là. Voilà. Cliquez. Clac. Et alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On me dirait des nouvelles dans les commentaires.
Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.